Ça y est, on a assez de données pour réaliser une première vidéo pour voir l'équilibrage des classes DPS au niveau du pré-patch de World of Warcraft. Ouais, 3 jours et demi de données, on est bon, on peut savoir quelles sont les classes qui tirent leur épingle du jeu, celles qui tirent leur épingle vers le bas, voilà, plutôt vers le bas. Dans cette vidéo, on va voir ce graphe là, donc je vais te l'expliquer, tu vas voir un petit peu comment ça marche, tout ça. Et on va parler du raid, on va parler un petit peu des classes qui s'en sortent bien. Alors après, c'est du pré-patch, c'est temporaire, etc. Mais moi, ça me fait kiffer de savoir qu'est-ce qui se passe à l'état actuel dans le jeu. Donc je le fais, c'est parti pour voir tout ça. Donc, ce graphe-là, il prend tous les logs qui ont été faits sur Nihalota en mythique, ok? Donc déjà, voilà. Ensuite, il y a un système de percentile. Les percentiles, c'est un pourcentage pris sur les logs par rapport aux performances des joueurs. Typiquement, si on clique 95% percentile, ça nous donne un graphe qui est celui-là. Et en gros, ça va prendre les 5% meilleurs logs, des 5% meilleures performances pour chaque type de log sur des spécialisations. Donc il y aura les logs des 5% meilleurs en prêtrombe, des 5% meilleurs en démo affli, etc. Et ce graphe-là, il prend tout le monde, et du coup il te met une moyenne des plus bas, du truc moyen, et du mec qui a été le plus haut. Et ce qui est intéressant dans le fait de pas juste directement prendre le 95%, c'est que sur ce graphe-là, ça peut te donner d'autres informations. Typiquement, sur ce graphe, chasseur BM et des ventes démo affli. Pourtant, quand on regarde bien, au total, sur les plus hauts, c'est quand même les démos affli qui sont devant. D'ailleurs, si on regarde sur ce graphe-là, démo affli est devant BM. Ça peut vouloir dire pas mal de choses. Une des interprétations possibles est que BM est une classe qui est plus accessible, donc qui va permettre aux joueurs qui sont un petit peu moins expérimentés de réussir à mieux tirer leur épingle du jeu ou qui ont moins un stuff adapté. Alors que démo affli est une classe qui demande quand même beaucoup plus de skill, de faire attention, de s'adapter aux nouvelles spécialisations qui est complètement différent d'avant, alors que le gameplay de BM n'a pas tellement changé. Et du coup, ceux qui y arrivent le mieux réussissent à en tirer encore plus parti. Et on peut voir qu'en plein potentiel, un démo affli est potentiellement, en tout cas avec les données qu'on a, meilleur qu'un chasseur BM sur les fights de Nihalota. Du coup, on va déjà voir qu'est-ce qu'on peut en tirer globalement au niveau de ce graphe. Bon, un truc assez hallucinant que je trouve, mais bon, sans doute parce que sur Shadowlands, c'est plus ou moins la même chose. On a une séparation haut de tableau égale caster, bas de tableau égale mêlée. Voilà, bon bah c'est assez simple. Hein. Ça, prêtre ombre, c'est un caster, chasseur BM c'est un caster, démo affli c'est un caster, mage arcane, caster, bah, il y a un DK impi. Bon, à part le DK impi qui vient un peu squatter le tableau, on reprenons notre vrai rythme. Mage givre, c'est un caster, chamelem c'est un caster, chasseur précis c'est un caster, druide équilibre c'est un caster, et mage feu c'est un caster. Après, si on a le démo destru qui se voit à peu près que le survie. Le reste, bim, les mêlées. Donc il y a tous les casters qui se mettent bien. Et globalement, on peut voir que les mêlées, c'est un peu la galère. Comme tu peux le voir, au niveau du graphe, après, il y a pas mal de choses qu'on peut voir. Typiquement, vu qu'on a absolument tous les percentiles, on a quand même des trucs qui peuvent être un petit peu intéressants à regarder. Par exemple ici, au niveau des hunts survie, ils sont assez hauts. Cependant, les meilleures survies, ils n'ont pas réussi à vraiment parse. Donc t'es quand même assez limité par la classe. D'ailleurs, si on regarde au niveau du 95%, le chasseur survie, il est dans les derniers. Donc c'est une classe qui est relativement assez maîtrisée, qui n'a pas eu trop de modifications au niveau de son gameplay, et donc qui ira beaucoup plus difficilement plus haut. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que je veux t'en parler. Parce que par exemple, si on regarde le druide feral, il est très bas. Okay, il est très bas, il est au plus bas possible, hein, le druide feral. Une des explications potentielles, il y en a plusieurs, c'est que la classe a quand même été changée en termes de talent, en termes de façon de jouer, en termes de rotation. Notamment par exemple au niveau du dernier talent, Blood Talon, qui fait que tu dois mettre 3 compétences différentes qui génèrent des points de combo dans une frame de 4 secondes, qui te donne 2 charges et qui fait que tes prochains finisseurs font 30% plus mal. Bon, déjà, apparemment, c'est bugué, ça n'augmente que 10%, donc là, ça l'aide pas, parce que sur le papier, c'est le truc à prendre, c'est vraiment fort. Mais en plus, du coup, ça force les joueurs à faire des rotations qu'ils ne sont pas habitués à faire, et du coup, potentiellement, bah, ils peuvent se foirer. D'ailleurs, de la même façon, j'ai vu sur les sims, aujourd'hui, sur le Feral, que l'ordre qui est donné, il a rien à voir, il est complètement débile. C'est-à-dire que la simulation, à l'heure actuelle, n'a pas eu le temps de s'adapter au nouveau gameplay et une nouvelle rotation du Feral. Du coup, il y a plein de trucs qui ne font absolument pas sens. Ils font des trucs qui sont contre-productifs.
objectifs au niveau de la simulation. Du coup, un, potentiellement, si tu sims, tu peux te mettre dans le mauvais sens, c'est-à-dire que tu peux potentiellement suivre la sim, mais vu que la sim, elle fait n'importe quoi, bah ça va pas, tu vas pas en tirer parti pleinement. Et ce genre de trucs qui peuvent être assez vicieux. Après, c'est normal, genre, le site qu'on utilise, Redbot pour les sims, c'est monstrueux, c'est un énorme travail, etc. Et il faut qu'ils leur laissent le temps de se mettre à jour. Donc, je jette pas la pierre. Je dis juste que, ben, ça y joue. Les joueurs ne sont pas habitués, les sites de sim ne sont pas habitués. C'est difficile et clairement, il y a encore des choses à voir au niveau du druide Feral. Il n'a pas dit son dernier mot et il a cet endroit-là. Il y a également des changements potentiels maintenant avec le cœur du fauve, le fait de dépasser en chouette acquis, ou même bah, au niveau de la gestion des talents ou de l'optimisation, qui reste à voir, qui reste à définir, et c'est pas marqué dans le marbre. Et c'est aussi à ça que nous sert le pré-patch, c'est que même si du coup t'es influencé, t'es biaisé, parce que t'as tes traits déshérites, etc., qui vont changer, et tu débloqueras de nouvelles compétences, hey! Il y a des trucs à voir. Et ça, c'est ce qu'entre autres nous permet de voir ce graphe de percentile et ben, ce qu'on peut savoir au niveau de la mise à jour. Globalement, on peut voir également que Chasseur BM et Demo Affi sont vraiment très très hauts. Genre, le SP, il y a rien à dire. SP est largement au-dessus. SP, il a eu une refonte de sa maîtrise, une refonte au niveau des apparitions, une refonte au niveau de sa façon de gérer la forme du feed et au niveau de ses talents. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur le prêtre Shadowlord. Si t'as envie de savoir, n'hésite pas à aller checker. Mais du coup, il y a plein de raisons qui font que le prêtre ombre est complètement fort. D'ailleurs, on peut checker rapidement le prêtre ombre. Là, c'est un fight mono-cible. On est sur Shadar, le mec qui a passé le plus haut en prêtre ombre. Natalia, qui est un gros joueur de prêtre ombre. Son pool sur le pré-patch, hein, bordel. Sur le pré-patch, il va à 20 000 en mono-cible. 20 000 de DPS en mono-cible. Alors, ok, il y a le buff mage, 5%, il y a la BL, il y a la bouffe, etc. 20K à l'open. Ça, c'est prêtre ombre, ok? C'est forcément intestable. Il y a que le mage arcane qui peut burst aussi haut. À ma connaissance, en tout cas, à l'heure actuelle. C'est énorme. Donc forcément, il prend un pool monstrueux. Derrière, il a quand même un DPS qui est plus que très correct. Et évidemment, quand il récupère de nouveau, là, donc c'est 1 minute 30, sa void form, il fait quoi? Il la repose et floup! Il remonte de nouveau très très haut. On peut voir que bah, Peste Dévorante, c'est un nouveau sort qui a été ajouté sur le prêtre ombre pour Shadowlands et qui fait extrêmement mal. Les apparitions font toujours très mal, donc ils vont chercher un cap de crit, etc. Et du coup, elles mettent des patates monstrueuses. On peut voir également que bah, du coup, il utilise évidemment Mind Blast et Void Bolt en cooldown et que ce sont les trucs qui font le plus mal. Et également, le creuset des flammes à l'heure actuelle est assez goldé. Donc il y a pas mal de raisons qui font que, bah ouais, forcément il se met bien. En plus il est caster, donc il bénéficie du compendium qui, il peut faire déjà les double gemmages au niveau de sa stat principale qui est l'intelligence, donc que quasiment tout le monde fait, et il bénéficie également de compendium comme les autres casters, qui est le trinket niveau 78, qui fait grave mal, d'ailleurs si on va checker, il est ici, niveau 72 pardon, qui fait que ça booste ta... Bref, il y a ce genre de tricks au niveau de genre de trinket qui aident, entre autres, les casters à se mettre devant. Mais quand même, c'est énorme la différence qu'ils ont creusé. Regarde ça, bordel, c'est insane. Bon, il est quand même suivi de pas très loin du Demo Affli et du BM, qui sont des classes qui envoient très bien. Le BM, c'est inattendu, mais c'est très azérite, ça a porté la classe de ouf. Du coup, il continue de faire très mal. Derrière, on peut voir que le mage arcane se vaut à peu près avec le mage frost à l'heure actuelle au niveau des logs, ce qui est très correct. Après, mage arcane, c'est plutôt une spé raid. Enfin, mage frost, c'est une spé, tu peux la jouer partout. Tu la joues en donjon, tu la joues en raid, tu la joues en PVP. Enfin, tu peux la jouer un petit peu partout. Le dégât en pied qui s'en tire très très bien, entre autres grâce à ses azérites et compagnie, et qui réussit vraiment à tirer son épingle du jeu. Et d'ailleurs, on peut voir même le dégât frost. Et pas si bas que ça au final, il s'en tire plutôt bien. DK, qui est une classe qui profite à fond du pré-patch. Et si on va voir plutôt en fond de tableau, alors il y a très. Les démos sont bas, mais alors il y a un autre truc à voir aussi, c'est qu'en démono, il y a eu que 103 logs. C'est pas possible de réellement se baser sur ça. Donc pareil, on peut voir d'ailleurs que le chasseur survit, 72 logs. Bon, en dessous de 500, c'est chaud quand même, tu vois, genre, Feral, à la rigueur, c'est acceptable, 430, c'est acceptable, 430 sur un Feral, mais derrière, 103 logs sur le démo des monos et 72 sur le survie, bon, le survie ayant pas bougé, pas trop en tout cas, pas du tout d'ailleurs, pour être exact, c'est pas très surprenant, à part qu'il a perdu la corruption, vu qu'il n'y a pas de changement au niveau de sa classe, de ses talents, à part le fait qu'il a récupéré le kill shot. Bon, mais par contre, le démo des monos, je pense qu'il reste beaucoup à prouver, et en vrai, ça m'étonnerait pas qu'il repasse devant les mêlées une fois qu'il sera joué à plein potentiel par les mecs qui ont envie de parse et de faire des trucs sympas en démo. Donc ça, c'est également un truc à prendre en compte, hein, au niveau des graphes, hein. C'est pour ça que c'est un premier aperçu, ça nous donne déjà une bonne idée, mais il reste des choses à faire. Typiquement, c'est pareil, War Fury, il y a eu des changements au niveau des talents et tout,
Potentiellement, la bonne façon de jouer, c'est de prendre le talent qui va changer ton sanguinaire et ton coup déchaîné, et c'est pas de prendre l'habituel. Donc voilà, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à vérifier, il reste encore des modifications qui peuvent venir. On peut voir d'ailleurs que les rogues, les 3 spé se valent. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, Outlaw est un petit peu devant, c'est-à-dire que l'aspect combat du voleur est un petit peu devant les autres. En fait, ils ont fait des modifications qui fait qu'en mono cible, du coup, il est meilleur, tu prends des talents exprès et compagnie, et au final, en mono, il arrive à se tirer aussi bien que les autres. Et là, on peut voir sub, ok, il y en a un qui était un peu plus haut, et suivant les boss, ça dépend, mais globalement, à l'heure actuelle, l'aspect hors-la-loi fait à peu près les mêmes dégâts que l'aspect finesse, qui fait à peu près les mêmes dégâts que l'aspect assassination sur le pré-patch. Alors que côté Shadowlands, c'est le sub qui est largement devant, mais grâce à ses conduits, il a des conduits monstrueux, et c'est légendaire. Bon, alors elles ont changé, c'est plus la même qui est priorisée, mais ça reste très fort sa légendaire qui est le plus joué. En outre, en plus, à l'heure actuelle, sur le raid, dès qu'il y a des dégâts de zone à faire, en sub, t'es un peu triste, genre Vexiona et compagnie, parce que tu n'as pas ton AoE zone, elle est débloquée que des 50 à 60. Donc il y a pas mal de petits trucs à prendre en compte comme ça, mais c'est quand même intéressant de voir que les 3 spérogues sont à peu près au même niveau à l'heure actuelle. On peut voir d'ailleurs que le Mâchefeu, bon, il se débrouille toujours, il est au même niveau que le Drudeki, qui est pas trop mal non plus, le Chamelem qui se met quand même plutôt bien, plutôt dans le panier du haut côté Chamelem, avec le Chasseur précis qui se débrouille pas trop mal non plus, mais c'est pareil, je pense que Shadowlands va lui faire beaucoup de bien, mais on peut voir qu'avec sa salve et tout, il a quand même des bons trucs. Et après, bon, on a les classes habituelles, hein, les classes un peu où c'est plus compliqué, on a le petit Palrette, le DH, le Chamelio et le Moine Windwalker, le Druide Feral, les spé un petit peu, entre guillemets, bizarres, les spé où t'as que une spé DPS en mêlée d'une classe, donc bah, un Marchevent, Feral, Paladarette, etc. C'est des classes qui vont souvent un petit peu plus, en tout cas à l'heure actuelle, un petit peu plus de mal à tirer leur épingle du jeu en raid, qui se débrouille très bien, enfin qui se débrouille bien sur les mythiques plus et compagnie. Après, en soi, si on regarde, ok c'est en dessous, mais bon. À part le prêtre ombre, le démo Afli et le chasseur BM qui sont vraiment au-dessus, on va dire à partir du Chamelem, qui est à 80 là, genre le Marchevent il est à 70, bon les rogues 74, ça va tu vois, genre le Palrette et compagnie, ça va, ils se débrouillent, ça reste correct. C'est en fait à partir du moine Marchevent où ça commence vraiment à être galère, genre Marchevent, Amelio, Survie, les DH, c'est vrai que c'est des classes qui ont du mal à réussir à tirer leur épingle du jeu et bien parse à l'heure actuelle. Pareil pour le Warfury, hein, c'est assez chaud patate pour lui. D'ailleurs si on va regarder au niveau des DH rapidement, ouais voilà, il y a quand même des DH qui sur Maut arrivent à tourner à plus de 5000 de DPS, c'est quand même très correct, hein. Skitra 4100, bon alors c'est un petit peu plus bas, mais déjà quand je vois du Maut 5100 de DPS, je me dis, ok c'est pas mal déjà, il y a des trucs à faire, tu vois, c'est des fights assez mono-cibles. Pareil pour Shadar, et généralement c'est là où t'as la faiblesse hein, du chasseur de démons, parce que la plupart de tes compétences, ou t'as pas mal de trucs qui tapent en zone, typiquement on peut voir qu'en mono ils prennent Demon's Blade, ils prennent le Unbound Chaos, et du coup la charge, hein. C'est quand tu mets ton Hero d'Immolation, ça pose un démon derrière, ça fait grave mal ce truc. On peut voir qu'évidemment ça joue toujours les Furious Gaze, donc typiquement si on va mater les petits DH, comme par exemple Riz IDH, qui est un tout petit peu plus bas, mais du coup il est en anglais donc c'est plus simple de trouver. Normalement ce qui se passe, c'est que voilà, le creuset des flammes, il met énormément de dégâts chez eux, parce que du coup ça le fait proc un masse, le fait d'avoir autant de hâte. Pareil pour les Lethal Strike, pour les genres de trucs qui permettent toujours à la classe de se débrouiller, d'être pas si mauvaise que ça, même si bien sûr comparé à un prêtre-ombre qui poule à 20k, bon voilà. Là on peut voir par exemple le pool du deuxième DH sur Shadar, bon le plus haut qui monte c'est à 6k, on est loin, on est très très loin des 20 000 qui est capable de faire un prêtre-ombre. Et du coup ça sera tout pour cette petite analyse rapide, donc je te le fais assez court parce que j'ai prévu de faire des vidéos. On va commencer par le prêtre ombre de 5 minutes où on va dans le détail de voir pourquoi telle classe est aussi forte. Typiquement la première ce sera pourquoi le prêtre ombre est aussi fort sur le pré-patch, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc on va prendre dans le détail qu'est-ce qui se passe. Donc comme j'ai pu te montrer rapidement, au niveau des trinkets, au niveau des traits, au niveau de la refonte de la classe, au niveau de la nouvelle gestion de la maîtrise, au niveau de, par exemple du mot de mort et ce genre de truc qui a été revu, de pourquoi tout ça synergise aussi bien et ça en fait une classe qui est aussi démente. On va voir rapidement également au niveau des rotations, de quelles sont les rotations qu'ils font, quel est le cycle DPS et qu'est-ce qu'ils prennent comme stuff pour en arriver là. On va expliquer ça dans le détail et ça sera la prochaine vidéo sur le sujet. Je te laisse me dire ce que t'en penses, qu'est-ce que tu penses de l'actualité au niveau des DPS, au niveau du pré-patch. Est-ce que t'es triste parce que c'est pré-patch et puis de toute façon ça part dans 2 mois? Est-ce que t'es heureux parce que tu dis putain c'est quand même cool, ça fait des nouveaux trucs, ça me permet de tester un petit peu ma classe avant Shadowlands?
what. Et quel est le type de classe que tu joues d'ailleurs simplement? N'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux davantage de contenu. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.